test sur le jeu Actua Soccer 3, sorti en 1998, édité par les studios Gremlin. Ah oui, et le jeu est sorti sur PlayStation 1 ou PS1, ça dépend comment on l'appelle. Et vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment d'un bon petit jeu, mon petit jeu de foot des familles. Et sans plus attendre, on va s'intéresser tout de suite à quelques petits matchs. Donc je ne sais pas exactement quel genre de match on va lancer. Attendez, on va prendre l'équipe de France pour commencer. Et on va mettre. Et on va affronter. Attendez. Un petit peu d'ici. Ah tiens, le pays de Galles, pourquoi pas? Et, ça tombe très bien. Le pays de Galles, c'est le genre d'équipe qu'on ne voit pas beaucoup à l'œuvre. Donc, raison de plus. Pour l'avoir à l'œuvre. Dans ce que vous voyez, c'est la composition de l'équipe de France de la période 98. La même équipe de France 98 qui a remporté son premier mondial. Et là, ce que vous voyez, c'est la composition de l'équipe galloise. On a Giggs, celui qui a joué à Manchester United, Hartson, Blake, Bellamy, Savage. Bref, des grands noms. Voilà, et c'est parti donc. Et voici donc l'entrée des deux équipes. Dans ce match digne d'un match de rugby dans le cadre du tournoi des 6 nations, entre l'équipe de France qui joue en bleu, blanc, rouge, face à eux, les Gallois qui jouent tout en rouge. Alors repris côté par Giggs, De Sailly, oui, De Sailly. Attends, je vais faire une passe à Henry. Henri justement. Et non, raté. Non. Ah, on se défend bien côté bleu. Ah, mince. Allez, on continue. Henri. Est-ce que... Oui, but! Ouverture du score de l'équipe de France! Ah non, c'était très aigué, j'ai cru que c'était Henri, autant pour moi. Bon, pas grave. De toute façon, même si c'était Henri, quelle différence ça peut faire? En tout cas, quoi qu'il en soit, ouverture du score de l'équipe de France. Et les Gallois qui sont menés d'un point. Alors je sais pas qui c'est, je me demande si c'est pas Deschamps. Bon, il était joueur bien évidemment. Hein. Et c'est la fin donc de cette première mi-temps. Et ben franchement, c'est pas ennuyé. Hein. Franchement, c'est pas ennuyé dans cette première période. Donc l'équipe de France mène 1-0 face au Pays de Galles. Et sans plus attendre, on va s'intéresser de suite à la deuxième mi-temps. Je vais essayer de voir si je peux faire une passe, oui. Très aigué. Très aigué. Et non, pas cette fois. Ah, je sens que ça va être jouasse. Ça va être très jouasse. Ils contre-attaquent, ils peuvent encore égaliser. Aïe, très aigué. Non, c'est raté, zut. Dommage. Est-ce que... Oui, but! Le voilà, le fameux but! Et qui plus est, le deuxième but français, yes! Et c'est Trezeguet qui marque donc son deuxième but et le deuxième but de l'équipe de France.
Beau travail collectif, côté bleu. Est-ce qu'il faut peut-être de 2-0 pour la France? Oui, 87e minute et pour l'instant l'équipe de France mène 2-0 face au Pays de Galles alors qu'il reste 2 minutes, 3 minutes de temps supplémentaire. Restez avec nous, mesdames et messieurs, il y aura d'autres matchs. Allez, dégagement qui va être effectué par Graham. Oui, Savage. Alors que l'arbitre va partir à siffler la fin de ce match. Bah franchement, c'était. Pour l'instant, ça commence bien. Et on démarre super bien. Attendez, un petit coup du chapeau pour Trezeguet. S'il y arrive. Ah non. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, belle victoire donc de l'équipe de France qui bat sans trop de mal l'équipe galloise qui a tout donné dans ce match. En tout cas, GG à l'équipe de France pour cette belle victoire. Et qui bat donc le Pays de Galles 2 buts à 0. Mais restez avec nous, mesdames et messieurs, je vais vous proposer d'autres matchs. A tout de suite. Oh les gens, et comme promis, je vais vous faire. Je vais vous faire, comment dirais-je, rêver avec d'autres matchs absolument mais génialissimes. Est-ce qu'aussi on va s'intéresser tout de suite à un match 100% anglais, on va dire, entre la sélection de l'Irlande du Nord opposée à l'équipe nationale de Lancashire. Voilà, et vous l'aurez compris, il s'agit d'un. Comment dirais-je, d'un match 100% britannique. Ça tombe très bien. On aime beaucoup le football anglais. Allez, c'est parti. Bon, l'Angleterre qui joue avec ses couleurs traditionnelles, à savoir le blanc à short bleu marine avec des rayures rouges. Face à eux, la sélection nord-irlandaise qui joue tout en vert à carreaux bleus. Et on démarre au quart de tour parce que là, pour l'instant, c'est. Là, ce sont, comment dirais-je, les Nord-Irlandais qui attaquent. Allez, Owen. Allez, c'est parti, Owen. Mess, attention. Non, oh, c'était pas passé loin. Oh, c'était pas passé loin. Ferdinand, qui passe à Shearer? Ah oui, attention, oui. On reprend le ballon du côté. Oui, c'est bon. On reprend le ballon. On reprend le ballon. Alors, attendez. Est-ce que je peux marquer sauter de temps? On va dire que. Oui, ça y est, le fameux but anglais. Yes! Et ouverture du score des Three Lions qui, malgré un joueur expulsé, parviennent à marquer ce premier but. Et c'est le légendaire de Alan Shearer, ancien capitaine de l'équipe emblématique de la sélection anglaise et de Newcastle, qui ouvre le score. Attendez, c'est pas fini parce que là pour l'instant ils en demandent, les Anglais, ils en demandent, ils en demandent, ils en demandent. Et non! Malencontreusement, ça ne passera pas. 2 minutes de temps supplémentaire. Allez, pour l'instant, il y a une contre-attaque nord-irlandaise. Allez, nord-irlandais qui peuvent encore espérer. Égaliser si bien sûr ils y arrivent. Et
c'est la mi-temps. Eh ben franchement, on s'est pas ennuyé. Bon, par contre, je suis encore désolé pour Michael Owen qui s'est fait mais quasiment mais expulsé comme un malpropre. Les Anglais qui, je vous rappelle, jouent à 10 contre 11. Mais bon, ça prouve que même à 10, ils arrivent, comment dirais-je, à bien jouer. Après, s'il y a leur joueur qui s'est fait expulser, à la limite, c'est pas très grave. Non, raté! Et c'est un corner! Nouveau corner pour la sélection anglaise. Les Anglais qui, je vous rappelle, mènent 1-0 face à l'Irlande du Nord. Attention, attention, attention! Ils ont demandé, attention! Non, raté! Dommage! Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Hors-jeu. Je pense que c'est offside, ça veut dire hors-jeu. Probablement un hors-jeu du côté nord-irlandais. Ah, l'Irlande du Nord. Mais restez avec nous, mesdames et messieurs. Il va y avoir d'autres matchs. Un avec la Belgique. Deuxième but anglais, yes! GG! GG, mec! Et c'est toujours le même! Chihuahua! Deuxième but anglais, marqué par le légendaire capitaine Alan Shearer. Et ce qui fait au total de 2-0. Et le voilà, le fameux sursaut de l'équipe nord-irlandaise qui marque son premier but. Et ils se réveillent, les nord-irlandais. Et le but est signé par Dewey. Bon, bah, ce qui fait au total de 2 pour l'Angleterre et 1 pour l'Irlande du Nord. Attention, attention, oui! Oh, poteau! C'est pas fini! Attention, parce que là, attention! Et c'est le but! Alors là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une remontada, parce que là, l'équipe de la sélection nord-irlandaise parvient à égaliser. Oh là 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 là, là c'est. Là, ils sont un petit peu surpris, les Anglais. Et deux partout, donc, entre. Les Nord-Irlandais et les Anglais. Ah, mine de rien, ils peuvent encore espérer gagner s'ils se donnent bien à fond. Bon, écoute, on verra, on verra. Hein, pas non plus. Dramatiser. Remarque, je peux encore espérer marquer un troisième but, si j'y arrive, bien sûr. Mince! Oh, quoique non! Attendez, est-ce que. Non! Raté! Dommage! Ah, j'avais quasiment le ballon! J'ai essayé de tenter ma chance de marquer, mais c'est. Sans compter sur les arrêts réflexes du gardien nord-irlandais. Oh, attention! Dewey! Dewey! Celui qui a marqué les deux buts nord-irlandais! Attention! Et c'est le but! Incroyable! Alors là, mesdames et messieurs, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une véritable remontada. Et c'est, ouais, et c'est le coup du chapeau pour ce joueur.
Ok, bah, j'ai l'impression que tout est à recommencer du côté anglais. Ah là, attention. Ah, les Anglais qui sont dominés. À moins que j'arrive à, comment dirais-je, à marquer un autre but égalisateur. Oh, mais il faudrait un miracle pour ça. Attention, est-ce que... Non, 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 non. Oh là 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 là. Bon, après, si je perds, à la limite, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais tout tenté. Mais bon, j'ai quand même remporté une première victoire avec l'équipe de France. Cumber. Le saut. Beckham. mince, oh, je pensais qu'il y avait un de mes joueurs qui avait, comment dirais-je, qui aurait capté, mais non, mais non, mais non. J'avais oublié à quel point un de mes joueurs s'est fait exclure. Là, je fais un petit peu du n'importe comment, mais bon. C'est pas toujours simple. Alors qu'il y a 3 minutes de temps supplémentaire. Et l'Irlande du Nord mène 3 buts à 2 face à l'Angleterre. Attention parce que là. Est-ce que. On a raté! Attendez, je vais voir si je peux dégager un petit peu le terrain. Ah là 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 là. Oh, attention! Est-ce que. Non! C'est raté! Et c'est un corner. Corner pour la sélection nord-irlandaise. On se souviendra de ce match. Hein. On se souviendra de ce match. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave si j'ai perdu, c'est pas grave. J'aurais tout fait. Et j'y ai cru à une victoire anglaise. En tout cas, GG à la sélection nord-irlandaise d'avoir quasiment bien joué. D'accord, ils étaient dominés au début, mais là, ils ont quand même réussi à faire ce qu'on peut appeler une remontada. Et GG aussi aux Anglais d'avoir été fair play. En tout cas, belle victoire de la sélection nord-irlandaise qui l'emporte, mais sur le fil. Face à leur cousin anglais et qui leur porte 3 buts à 2. Mais restez avec nous, mesdames et messieurs. Je vais vous proposer un autre match. A tout de suite. Et re les gens. Et comme promis, je vais vous faire assister à un troisième match de folie. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à une rencontre 100% germanique, pardon, entre la sélection allemande et la sélection du Liechtenstein. Bon, alors les Allemands jouent avec leur couleur traditionnelle, à savoir le blanc et le noir, face à eux, les joueurs de la principauté du Liechtenstein, qui jouent en rouge et bleu. Liechtenstein, qui est un petit pays qui se trouve enclavé entre l'Autriche et la Suisse. Et il me semble que c'est une principauté. Attention, est-ce qu'on a raté? Dommage! Et là, pour l'instant, là, on démarre au quart de tour, parce que là, les Allemands, ils forcent bien. Bon, après, je m'excuse encore auprès de mes fans anglais si leur équipe a perdu contre l'Irlande du Nord, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je leur proposerai une seconde chance, oui, une seconde chance. Pas non plus, comment dirais-je, fataliser en disant que ouais, on l'a mené et après on s'est fait surprendre, et puis c'est tout. Non, raté, et pour l'instant là. Là, on voit bien que les Allemands se montrent un petit peu menaçants envers l'équipe du Liechtenstein. La pression, hein. Et je me demande si l'Allemagne et le Liechtenstein se sont déjà affrontés. Attention, 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 attention! Pas en jeu du côté, attention! Non, arrête, poteau! Ouh là là! Ouh, j'ai bien cru qu'il allait marquer celui-là. J'ai bien cru. Bierhoff!
Et c'est Birov justement qui vient de marquer le premier but allemand. Donc, bah, ce qui fait un total de 1-0 pour la Mannschaft. Mais on faut quand même faire attention à cette équipe Liechtenstein qui peut surprendre. Et non, raté! Deux minutes de temps supplémentaire et l'Allemagne mène 1-0 face au Liechtenstein. Mais attention quand même aux joueurs du Liechtenstein qui peuvent surprendre. Est-ce que non? Raté! Et c'est à mi-temps. Eh ben, c'était vraiment, mais on s'est pas ennuyé. Une fois de plus, on s'est pas ennuyé face à deux équipes. Bon, l'une d'entre elles a un haut niveau, mais qui mène les débats. Et sans plus attendre, on va s'intéresser tout de suite à la deuxième mi-temps. Donc, je rappelle le score. L'Allemagne mène 1-0 face au duché du Liechtenstein. Mais je sais plus si c'est un duché ou une principauté. Je sais plus, je sais plus. Enfin, c'est un petit royaume qui, je vous dis encore une fois, est enclavé entre la Suisse et l'Autriche. Mais attention, attention, est-ce que... égalisateur du Liechtenstein. Je vous l'avais dit qu'il fallait pas sous-estimer ce genre de petites équipes. Oh là 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 là, il arrive vraiment mais à point nommé celui-là. Il arrive à point nommé. Et c'est FT donc qui marque donc le but égalisateur de l'équipe nationale du Liechtenstein. Remarque, qu'est-ce qui se passerait si par hasard le Liechtenstein battait l'Allemagne? Pour l'instant, égalité parfaite entre l'Allemagne et le Liechtenstein. Klinsmann, est-ce que... Eh non! Ça ne surprendra pas le gardien. Zut. Est-ce que non? Là, ils deviennent de totalement dangereux ces joueurs du Liechtenstein. Klinsmann. On continue, on continue. On va pas abandonner de si peu. Mais ça va, franchement, d'accord. Le jeu est loin. Les contrôles de ce jeu sont loin d'être simples. Mais au moins, il y a du challenge. Au moins, il y a du challenge. Alors, oui. Est-ce que non, raté! Oh, quel dommage. C'est dommage. Mais franchement, c'est dommage parce que là, franchement, j'ai mérité de marquer. Toujours un partout donc entre le Liechtenstein et l'Allemagne.
On continue, mesdames et messieurs. Mince, je sais pas, je voulais faire une passe à un de mes joueurs, mais j'ai l'impression que personne n'a capté, c'est dommage. En troisième minute, et pour l'instant, il y a toujours un partout entre les deux équipes, à savoir l'Allemagne et le Liechtenstein. Et restez avec nous, mesdames et messieurs, je vais vous proposer un dernier, quatrième et dernier petit match. Tout avant le match Belgique-Autriche, attention! Et c'est le but! Incroyable! Alors là, c'est le pompon! Alors là, c'est le pompon total! Parce que là, les joueurs du Liechtenstein viennent de marquer un deuxième but! Waouh! Alors là, c'est la surprise. Et c'est la grande surprise. Donc, deuxième but du Liechtenstein, marqué par un certain Klonzer, si j'ai bien noté son nom. Oh là là, j'ai l'impression de me retrouver. Oh, et 3 minutes de temps supplémentaire. Ok, c'est exactement comme dans le match précédent, à savoir Angleterre-Irlande du Nord. Je menais les débats. Et là, je vais me faire battre par une petite équipe. Attends, c'est parce que là, il y a corner. Corner pour les Allemands. Corner pour les Allemands. Alors qu'on s'approche à quelques minutes de la fin de ce match. Oui. Non, dommage. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Ah, là, c'est terminé. Attention, attention, il faut. Et c'est terminé. Et ben, magnifique victoire de cette équipe du Liechtenstein qui a surpris mais quasiment tout le monde en battant une équipe de haut calibre, à savoir l'Allemagne, et qui l'emporte sur le fil de buts à 1. GG à eux et GG quand même aux Allemands d'avoir fait un très bon match. En tout cas, belle victoire pour cette équipe de Liechtenstein. Je vous l'ai dit, cette équipe, ce genre d'équipe, de petites équipes, n'est pas à sous-estimer. N'est pas du tout à sous-estimer. Et donc, belle victoire donc de l'équipe du Liechtenstein qui l'emporte face aux Allemands sur le score de 2 buts à 1. Et ça sera tout. Mais restez avec nous, mesdames et messieurs. Je vais vous proposer un quatrième et dernier match. À tout de suite. Et re les gens, et comme promis, je vais vous faire assister à un quatrième et dernier match 100% ouest européen. Et cette fois-ci, mesdames et messieurs, on va assister vraiment à du très très lourd entre l'équipe de Belgique et l'équipe de l'Autriche. Et oui, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, je vais donc prendre les couleurs de la sélection belge, voilà, qui joue en rouge face à eux, les Autrichiens, qui jouent en blanc et noir, tout comme leurs voisins allemands, alors qu'il y a. Oh, attention, parce que là, il y a un tacle assassin sur un joueur belge. Oula, oh mince! Aïe, 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 aïe. Et là, premier blessé, et c'est De Flandre, De Flandre, si je me souviens bien, De Flandre, il a joué à Lyon, il me semble. Et premier carton jaune pour la sélection autrichienne, c'est Andreas Herzog. Ah mince, j'ai un petit peu. Bon, c'est pas grave. On va le remplacer puisqu'on nous le demande. Tiens, oui, Wilmots, tiens, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Donc, je remplace un de mes joueurs qui a été blessé. Donc, Delphland est remplacé par Wilmots. Et premier coup franc pour les Diables Rouges. Faites également pour faire une dédicace à tous mes fans belges et autrichiens, surtout belges, notamment Rudy Duprez. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti, on continue. Les Diables Rouges qui vont lutter jusqu'au bout. Attention, c'est pas. Attention, oui, on continue, voilà, c'est bon. Allez, c'est parti! Mince! Oh là là, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Allez, Kumbauer. Repris par Wilmots. Wilmots! Est-ce que non? Raté, dommage! Bel arrêt du gardien autrichien Konsel.
Ah, mais ils vont finir par marquer, hein. À moins que ce soit eux qui marquent en premier ou ça soit moi. Enfin, dans les deux cas, on va tous se donner à fond. Est-ce que... Et c'est le but! Et ouverture du score des Autrichiens! Ouh, je le sentais venir celui-là! Je le sentais venir! Et ouverture du score des Autrichiens! But signé As! Aïe aïe aïe! Je le sentais venir de toute façon ce but-là! Je le sentais venir! Désolé Rudy! Donc, 1-0 pour l'Autriche. Attends, parce que là... Attends, je vais essayer de voir si j'arrive à... Alors qu'il y a 2 minutes de temps supplémentaire, je ne sais pas si j'aurai le temps d'égaliser, ou sinon j'aurai plus de chance pour la deuxième mi-temps. Est-ce que Ah, c'est dommage parce que là, franchement, je méritais vraiment d'égaliser. Ah, mais quelle injustice. Mais quelle injustice. Bon, et là, pour l'instant, c'est la mi-temps. Bon, bah, c'était vraiment une mi-temps un petit peu calomnieuse. Je m'en excuse encore, mais bon, vous savez, l'Autriche est le genre d'équipe qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer. Et en l'occurrence, j'ai sous-estimé cette équipe. Donc, deuxième mi-temps. Pour l'instant, l'Autriche mène 1-0 face à la Belgique. Bon, espérant que je vais essayer de mieux jouer parce que là, c'était. Là, j'avoue que j'ai fait un petit peu du caca. Et non! Ah, mais je vais finir par égaliser. Là, tout à l'heure, lors du match France-Galles, j'ai gagné, j'ai failli gagner contre l'Irlande du Nord avec l'Angleterre, y compris avec le Liechtenstein face à l'Allemagne. Attention, est-ce que non? Encore une tentative un petit peu ratée, mais bon. Eux aussi, ils se défoncent bien, les Autrichiens. Oui. Attendez, on va voir si on peut... Attention, parce que là, pour l'instant, là, le ballon est récupéré par les Autrichiens. Vastic. À moins que ce soit Herzog, je sais plus. Enfin, il passe à Nilis, Wilmots. Que ça doit être lui, Wilmots. Je sais plus, je sais plus. Il y a tellement de joueurs dans cette équipe. Enfin, il y a eu tellement de joueurs du côté belge qu'on se souviendra de certains. De certains. Alors qu'il y a un premier joueur belge averti, c'est le célèbre Luc Nilis, qui a joué, je me demande s'il n'a pas joué à Aston Villa en Angleterre. Autrichienne. Attention parce que les Belges peuvent encore égaliser. Attendez. Peut-être un petit peu. Histoire que ce soit bien cadré. Mine de rien, je peux marquer sur cet angle. Et oui! De la Belgique, yes! Et c'est Wilmots qui vient de marquer le but égalisateur! Oh, mais je savais que j'allais marquer sur cette sur coup franc. Je le savais. Regardez, on va voir ça parce que là, franchement. Ah non, mais là, j'ai bien calculé mon coup. J'ai bien calculé mon coup. Et la Belgique parvient à égaliser. Là, je joue beaucoup mieux que tout à l'heure. Je joue beaucoup mieux que tout à l'heure.
attendez, parce que là pour l'instant, c'est de nouveau les Belges qui ont de nouveau le ballon. Oh, ils sont bien remontés, les Belges. Hein. Ils sont bien remontés. Hein. Là, on les a secoués. Hein. Attention! Allez, on continue. On continue, mesdames et messieurs. On continue, on continue. Allez, pour l'instant, égalité parfaite entre la Belgique et l'Autriche. C'est reparti. Ah là 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 là, j'ai encore perdu le ballon. Et pourtant, je fais un effort maximal pour espérer. Espérer marquer, mais c'est pas toujours simple. Allez. Ah mince. Attention, est-ce que. Non! Est-ce que ce coup-ci, ça ne surprendra pas le gardien? En 18e minute et toujours un partout donc entre la Belgique et l'Autriche. Wilmots. Attendez parce que je vais essayer de voir si j'arrive à marquer sur cet angle. Attention! Oh, bel arrêt du gardien! Oula, faute! J'ai l'impression qu'il y a eu une faute belge. Allez. Allez, c'est parti. Pour l'instant, le ballon est récupéré par les Autrichiens. Attention, 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 oh, est-ce que. Non! C'est raté. Mais belle tentative. Belle tentative pour les Autrichiens. On continue, mesdames et messieurs. 86e minute, et pour l'instant, il y a toujours égalité entre l'Autriche et la Belgique. 3 minutes de temps supplémentaire. Oh là, je me demande lequel des deux va craquer. Oh là, oh, est-ce que. Non, raté! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là! Oh, c'était badass! Ah non, dommage. Ah, j'aurais tant voulu marquer la dernière minute, mais ça sera pas le cas malencontreusement. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était vraiment un bon match. Et ben, match nul total entre l'Autriche et la Belgique qui se séparent par un score de parité, un partout donc. Ah, c'était vraiment mais ce qu'on peut appeler mais un match fulgurant entre deux équipes qui se sont neutralisées. Et les Belges qui ont fait tout leur possible, mais qui ont fait quand même bonne impression malgré un joueur expulsé. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était donc un autre test sur le jeu Actua Soccer 3, sorti en 1998 sur PS1 ou PlayStation 1, ça dépend comment on l'appelle, édité par les studios Gremlin. Je vais essayer de voir si je peux vous proposer encore d'autres matchs sur ce jeu, puis après ça sera tout. Hein. Oui, car j'estime qu'on en a déjà assez fait, mais je vous en proposerai d'autres, je vous le promets. En attendant, merci d'avoir regardé ces matchs-là. J'espère que ça vous a plu. Si, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests ainsi que de prochains matchs. Ici Vienne, en Autriche, à vous Paris. Oh, et puis tant j'y pense.